Plusieurs dizaines de familles déplacées qui trouvaient dans le centre sportif Carrefour à marché Fontamara a vécu une situation difficile après avoir fini de quitter la zone habitée à cause de gang Tibois à Granville, Taptouki Konyo, qui était la cause en pile de victimes et en pile les autres qui étaient déplacés. Restez branchés, pas déconnectés, n'a pas plus de détails pour vous. Bonjour, bonsoir, dépendamment de côté à côté nous, n'a pas merci parce que vous branchez et n'a pas bienvenue sur à peine connecté. Je te annonce plusieurs dizaines de familles déplacées qui sont dans la zone 3e circonscription en Port-au-Prince qui trouvent actuellement dans le centre sportif Carrefour et marché Fontamara dans une situation difficile côté sur le plan hygiénique, il y a une grosse difficulté et il y a une grosse difficulté tout pour joindre qui chore pour manger. Nous connaissons une situation ça arrivé après bandits qui sont dans la zone Tibois à Granville Taptoki Konyo qui était la cause en plein monde victime et citoyens ça même été obligé quitter zone pour protéger la vie. Normalement il pas un fait nouveau en Haïti pour gagner de déplacer interne soit de monde qui prend refuge et dans de abris et qui approprié ou du moins dans de abris de fortune. Donc cas ça il pas nouveau en Haïti. Nous capable pour exemple nous rappelons nous en 2010 lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010 comme c'est comme ça relève. Donc, on était en pile déplacé interne, au niveau capital spécialement, mais en pile l'autre côté dans le pays, en côté Mounsayo, ils étaient obligés de quitter la zone où ils étaient habités, ou bien ils étaient obligés de quitter la caille à vivre, question pour être protégés au cas où ils ont éventuel tremblement de terre qui passait, ou du moins à cause de répliques qui étaient de temps en temps, ils étaient obligés de quitter l'espace, quitter la zone où ils étaient habités, quitter la caille pour aller réfugier dans une série d'endroits qui sont plus sécuritaires. Donc, je dis que ça nous gagne. Nous avons une population paisible qui vit dans la zone 3e circonscription de Port-au-Prince. Côté nous gagne gang Tibois avec Granville qui vient éclater au Goumé. Donc, la population dans la zone ça a été obligée de déplacer, a été obligée de courir. On a balle individu sans foi ni loi. Question peut être protéger vie. Donc, qui est-ce qui est à la base du conflit? Bien qu'il y a un peu de monde connaît, mais pour les gens qui peut pas connaître, nous avons un bref râle. Donc, c'est son conflit qui oppose Tibois et Granville pour une question. Territoire et au sommet nous jouons Toto. En pile, nous connaissons son nom et Toto Bolette. Donc, c'est lui-même qui son grand propriétaire terrien dans la zone Naboul 12, spécialement dans la zone Fressa. Côté lui-même, il a une velléité pour lui protéger l'intérêt. Donc, il a fait appel avec des bandits, des gangs armés dans la zone Tibois pour venir protéger pour lui. Donc, il a gagné en mésentente entre les gens qui trouvaient dans la zone Fressa et les gens qui était venu directement pour venir protéger bien Toto, donc venir gagner implication et Granville. Donc son amalgame qui vient bailler situation de tension ça qui existait dans la zone 3e circonscription de Port-au-Prince. Donc j'en nous tout te connaît, son goumé qui fait environ une semaine, côté zam a tiré et kay a boulé, moun a mouri, moun obligé de déplacer dans la zone côté pour protéger vie. Donc c'est ça la situation. Donc maintenant, comment la situation est présentée? Donc, d'une part, nous jouons une population qui déplace, qui n'a pas retourné la caillou, parce que la tension a toujours existé dans la zone Tibois et Granville, bien que l'autorité récemment, dans la visite qui a été faite dans la zone 3e circonscription, a dit que tout le monde est sous contrôle. Mais, pourquoi gagner une assurance l'État capable de bailler les citoyens qui ont été déplacés dans la zone? L'État, pourquoi gagner une assurance pour retourner dans la zone côté habité? Donc, venir faire courir dans l'espace côté trouvé qui n'est pas approprié pour nous vivre, parce que c'est dans le centre sportif qu'il faut en majorité. Bien que gagner de l'autre qui soit dans la zone marché Fontaine, ou du moins gagner de monde qui est déplacé totalement de zone ça, soit qui allait en province, soit qui allait en famille qui est dans Port-au-Prince. Donc, moun sa yo, y a vivre une situation qui est extrêmement difficile parce que l'espace côté yo n'est pas approprié pour moun vivre. Ou a vinn jeune tout, y a gen de problèmes hygiéniques, OK, y a gen problème pour manger. C'est ensemble de difficultés population déplacée à vivre par rapport avec tension qui gagne dans zone 3e circonscription. Et ou capable yo même tout yo exprimer yo et yo pas mettre l'eau dans bouche pour demander moucher l'État pour porter aide, pour porter soutien, parce que y a une nécessité, une grande nécessité. C'est vrai, nous avons été une délégation gouvernementale qui a rendu ça aux visites et qui a porté qui chauffe pour eux. Nous avons tout gagné de ONG, soit qui a planifié ou du moins qui déjà prend initiative pour porter une assistance à les gens qui déplacent yo. Mais dans la réalité, nous avons des gens qui vivent dans une situation qui n'est pas appropriée pour nous vivre ou du moins dans une situation qui est normale. Parce que le centre sportif Carrefour Long, c'est un espace qui est réservé strictement au sport. C'est pour un côté qui a de logement et là-dedans. C'est pour un côté qui a de cafétéria là-dedans. C'est pour un côté qui a vraiment un dispensaire qui est disponible pour les gens qui abritent dans la zone.
Donc, moun yo, espace yo li pa approprié. Mais que ce magistrat Carrefour, Jules Edouard Pierre, qui te prend initiative pour faire moun yo quitter marché Fontamara parce que pas vraiment, parce que pas du tout approprié. Moun yo, c'était à la belle étoile, était censé abdomen. Donc, Jules Edouard Pierre, comme magistrat Carrefour, il te prend initiative, il te fait moun yo vin dans le centre sportif Carrefour. Donc, depuis lors, moun yo là, mais vraiment gagne une assistance approprié et pour moun yo yo capable de vivre. Donc par rapport à cette situation, qui ça l'état lui-même du côté fait pour moun sa yo qui trouvé yo dans zone et centre sportif Carrefour ou du moins qui ça l'état gagné dans Jacoutli pour aller contraindre gang qui fait la pluie et le beau temps dans zone 3e circonscription côté moun yo même qui déplacé yo jusqu'à présent le poko ka retourner la caillou. C'est après son espace côté gagné de vieillards, gagné de jeunes, gagné de ti moun, ti filles et gagné de femmes enceintes. Donc son mélange, son amalgame, son méli-mélo, tout le monde même côté. Donc, son situation qui est vraiment triste, son situation qui demande une intervention immédiate de l'État. Maintenant, pour nous regagner zone côté où tu as vécu, ou du moins zone où tu as habité, faudrait-il bien que l'État ait une assurance pour être capable de retourner dans la zone. Et pour l'État, il a une assurance, donc là, l'État a un défi qui est dressé en face. Le défi qui est dressé en face de l'État, c'est gang yo qui est toujours là, il a toujours des armes dans le pays. Il y a toujours des munitions et conflit en tout, il n'est pas fini. Ou après, individu qui était armé lourdement, ou après, toujours des armes dans le pays, ou après, toujours des armes dans le pays, ça veut dire conflit en tension, il est toujours tendu et anti-bois et grand. Donc, vous avez remarqué, par rapport avec comportement individu, ça qui toujours des armes dans le pays, après, son conflit qui toujours existait, bien que Zamio, bien que Zamio suspende chanté, mais toujours est-il qu'il y a un risque. Sous et zone 3e circonscription de Port-au-Prince. Donc, population qui déplace en lui-même, il n'y a pas en confiance pour lui retourner dans la zone et l'État tout pas vraiment bas moun yo, bas déplacer ça yo, de garantir pour lui retourner dans la zone. Et au même tout, il est prudent, il est très prudent, et nous capables de remarquer tout, nous avons une quantité de cailles qui brûlent, ou avec quantité de monde qui mourit, et jusqu'à présent, ou après l'État lui-même en soi, il n'y a pas qu'à faire de intervention dans la zone soit Tibois ou bien Granville, par rapport à la fragilité qui gagne dans la zone Sahel sur le plan sécuritaire. Donc là, nous avons une situation côté gagne de déplacer interne. Malheureusement, ce n'est pas une catastrophe naturelle qui fait au déplacer, mais c'est l'État qui perd du contrôle territoire là, qui fait citoyens eux-mêmes ne pas qu'à vivre paisiblement dans la zone, ne pas qu'à vivre paisiblement la caillou. Après, il y a des gens qui parlent aujourd'hui, ils ont quitté porte caillou tout ouvert, tellement ils ont fait une façon pour échapper pour eux. Face à fureur gang sa yo. Donc là, c'est une situation qui mandait en pile calcul, parce que l'État lui-même en soi, il n'a pas vraiment gagné de grands moyens en mêle, il n'a pas vraiment disposé de grands moyens pour être capable de faire une réponse appropriée avec Zak Bandiyo. Donc là, c'est une situation qui mandait une attention particulière. Donc là, c'est pour dire comment l'État lui gagne un travail en mêle, et comment il gagne du pain sur la planche, Jean Yokondilan, parce que la situation est grave. Mais quand au déplacer quand à moun qui c'est de déplacer et qui réfugié dans des zones avoisinantes de 3e circonscription Port-au-Prince là yo même là m'pa konnen combien de temps l'étape qui t'est offert surtout dans centre sportif Carrefour là d'ailleurs nous connaissons espace qui pas approprié là question interne nous comment l'état il peut accompagner et population civile ça qui on dit qui déplacer qui trouver dans zone centre sportif Carrefour là comment l'état qui accompagnement l'état pral bayo. Donc là, est-ce que l'État va le dire mettre retourner dans zone 3e circonscription Port-au-Prince dans côté où tu habité? Est-ce que l'État va le dire retourner là et la bien capacité pour garantir sécurité yo? Nous pour qu'on connaît. Est-ce que l'État en bonjour parler avec lever ou dit bon mettre retourner et bien le monde retourner demain conflit éclaté et rivalité entre Tibois et Granville qui pour et qui pour jamais régler. Donc là, est-ce qu'on va dire mon retourner et puis sans pas garantir que demain genre de situation ça il va pas remettre. Parce que pas oublier dans le monde qui déplace, ça c'est le monde qui est échappé pour eux. Mais il y a des gens qui n'ont pas échappé pour eux, qui sont victimes, qui mourent, soit à miser, soit quand ils boulent, soit à eux-mêmes personnellement, soit ils prennent balle ou bien ils mourent. Donc il y a des gens qui font face avec la situation côté, ils n'ont pas même temps pour te déplacer, pour être réfugié dans l'autre zone. Donc là, l'État a une assurance de Baïmounio par rapport à la situation qui est présentée aujourd'hui. Hein, et réalité moment en tout. Donc l'État a un travail pour le faire, pour assurer Mounio, soit pour retourner dans la zone, ou bien pour aller dans l'autre zone. Mais il est important pour l'État d'avoir une réponse immédiate, parce que Jean Mounio a vivre là, il n'est pas bon, et d'ailleurs, même tout exprimé, comment la situation est extrêmement difficile pour eux. Donc l'État, ballon en pio,
et citoyens yo trouvé dans centre sportif Carrefour là, y a tant d'intervention autorité yo. D'ailleurs, c'est peut-être ça où tu choisi autorité. Il y a tant d'interventions, nous. Donc, l'État, ou doit agir pour offrir population service. Nous merci parce que tu as attendu nous. Nous sommes Wilson Octavius. Nous à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.